Salut tout le monde, bienvenue dans le 34e épisode de la série Track Day, avec aujourd'hui une petite particularité dont je dois vous informer. Les modes, certains modes qui vont être présentés dans les prochaines semaines seront sur un site qui nécessite un enregistrement, donc il faudra simplement créer un compte, je n'ai pas eu de problème, tout s'est bien passé et ça a l'air plutôt sécurisé, mais voilà. Donc c'est Assetto Corsa Mod, le site qui reprend ces différents modèles, donc vous aurez le lien dans la description qui correspond au poste, mais pour télécharger le mod, il faudra vous inscrire sur le site, créer un compte avec une adresse mail, comme vous le faites pour plein de sites d'information, etc. Donc rien de plus exceptionnel que cela, mais c'est pour vous dire que ces modes sont gratuits, mais nécessitent un enregistrement sur le site. En parlant de mode, celui qui va nous intéresser cette fois-ci, il s'agit de la toute fraîche McLaren 650S GT3, qui ne manque pas d'allure pour cette partie de track day sur le circuit de Zolder. Une voiture qui est plutôt impressionnante quand même, avec un V8 de 3 litres 8 quand même, avec un double turbo. Ça envoie très sévère, hein, c'est quand même quasiment à 4 litres hein, quand même, ça envoie pas mal. Une voiture avec une boîte de 6 vitesses, donc du classique. On sent qu'au niveau de la modélisation, on est parti de la base de la MP4 12C GT3 qui était l'ancienne génération de modèles imposés par McLaren en compétition. C'est une voiture qu'on va évoluer dans quelques championnats, notamment le GT Open, et qui eh bien, a mené tout de même les 24 heures de Spa lors des premières heures de course, lors de sa première participation pour cette édition 2015. Une voiture jeune, qui est bien née, mais qui doit encore tenir la fiabilité et eh bien, peut-être s'améliorer en performance. Je vais vous laisser profiter de cette session sur le circuit de Zolder, qui est également mis à jour et donc également disponible dans la description. Profitez bien de cette bête sur le tracé La Bourgeois. Bonne vidéo les amis, et n'oubliez pas de monter le son. Thank you.